Bonjour, salut à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit stream, tranquillou. On va aller sur The Crew. Voilà. On va aller récupérer les récompenses tranquillement. Paf. C'est quoi ça? Pas de ça. On comprend rien à leur truc des fois. C'est faux, hein. C'était Tandax. Alors, c'est quoi cette course? Hop. Bon, bah, vas-y, on va faire cette playlist. Une Ford GT Le Mans, ça c'est beau ça. Elle est vraiment magnifique cette caisse. Ça va, mon petit bonhomme? De quoi? Hein? Alors après, d'accord? Va regarder ton dessin animé si tu veux, je te la donne après, d'accord? Je sais pas, on verra. C'était sage. Poum, 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 poum. Ah,
super agréable à conduire. Et bien sûr, n'oublions pas le 10 octobre, Forza Motorsport. Hop. Il y a des épreuves dans le coin qui ne demandent qu'à être terminées. Bon, la prochaine, on prendra pas soit voiture électrique, j'aime bien, mais bon, enfin, j'aime bien la gueule de la voiture, mais sinon le bruit m'insupporte. Encore une, on a encore la Ford GT. Voilà, cette fois, c'est une course. Hein. Ok, là, cette fois, on a une course. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle, ah, elles sont toutes belles avec les petites larves là. Ouf, celle-là c'est quoi, Corvette? Ouais.
On le casse. J'ai laquelle en favori, moi? Oh tiens, j'ai envie de prendre celle-là. Petite bouche incendie, c'était gratuit. Tout le temps faire la course avec la Ford GT. Là, vous imaginez un The Crew avec des camions quoi. Ce serait génial. On est encore contre Charles. Ah, faut faire gaffe parce que ce genre de circuit est vachement étroit quand même. Je fais de la merde, hein. Je pense qu'on va devoir recommencer. Mais il y a des tours, donc on va voir ce que ça donne. C'est de la merde. Là, j'ai du mal hein, sur ces épreuves-là. C'est chaud quand même.
garde du boost à chaque fois que je fais une erreur. Ah, ça me gratte le pied en même temps, c'est horrible. La moindre erreur, pardonne pas. Alors, c'est pas du beau pilotage, mais on va gagner, c'est essentiel. J'ai déjà fait ça, non? J'ai déjà fait celle-là. Bon, c'est pas grave, je continue, mais j'ai déjà fait. Non, ça me paraît bizarre, je l'ai pas conduite celle-là. Hein. Très bon les dérapages pour les perfs.
suis un peu foiré là. Des fois, on fait des choix à la con. Là, c'était un choix à la con. Ouais, j'ai dû faire ce championnat là, mais avec une autre catégorie de voiture, quoi. J'ai un qui va passer à 500 km/h. Thank you.
Ah, j'ai dit je le tente, je tente au max quoi. Ah, c'est bizarre, elle parle pas l'autre. Dans les courses, il y a personne qui parle. Ah ouais, mais en fait, voilà, en fait, je me refais. Là, c'est une course de chaque championnat avec la Ford GT. Ok, j'ai compris le principe. J'ai compris le principe. Hein. Pardon. Ça, c'est abusé, ça. Chaud hein, dans la course. Ah, il te défonce. Ah, casse-toi.
passe, attention, c'est là-bas la succession de virages. Normalement, c'est au prochain virage, voilà, ici. C'est à beau ralentir, mais... Ah ouais, c'est quand même plus facile quand la personne qui vient te défoncer et t'envoyer dans le mur, quoi. C'est un tantinet agressif quand même. Course quand même, hein. Regarde, parce que lui, voilà, il va me serrer et il va pas hésiter à me toucher, lui. C'est la bataille, hein.
Oula, j'ai oublié de tourner, mal positionner le joystick. On était peut-être à la fin si on touche 22 000. Si on touche 22 000, c'est qu'on était à la fin. Essayons celle-ci. J'ai un bon Bim. Bon. Alors attendez, parce que là on a un petit bug d'overlay. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, bah, depuis tout à l'heure, je regarde un peu mon panel de stream. Et ça fait un petit moment que je me dis, voilà, j'aime ça, j'aime le stream. Alors pour ceux qui vont passer sur YouTube, voilà, vous, comme ça vous le savez, vous n'avez pas besoin d'attendre deux heures de stream, enfin 2 heures de rediff. Donc ce qui va se passer, c'est que on va continuer l'aventure, mais autre part. Voilà, j'ai voulu retenter l'aventure Twitch. Alors même si ça me passionne, que je fais ça parce que j'adore ça, c'est vrai que c'est compliqué. Nous avons aucun public, c'est voilà, la chaîne a pouf. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser tomber Twitch pour l'instant, dans un premier temps. Je vais vraiment me consacrer régulièrement sur Kick. On va voir ce que ça donne. Et on est octobre, novembre, décembre. On se donne jusqu'à début d'année prochaine. On va voir ce que ça donne, si ça, voilà. Et après, peut-être qu'on envisagera de fermer les chaînes, mais c'est pas dit. Attention, c'est pas, je quitte tout parce que c'est très difficile, parce que j'ai beaucoup d'investissements, j'adore ça et tout. Mais je me dis, je me laisse une dernière chance parce que c'est de l'investissement, hein, mine de rien. Là, par exemple, vous ne le savez pas, je ne vous l'ai pas dit, mais ça fait déjà quelques mois que mon PC, merde, j'ai ma carte mère qui décède. Donc, j'ai pas mal de merde. Là, je vais refaire ma config, donc processeur, carte mère, RAM, SSD. Donc, voilà. Donc là, je vais me laisser une dernière chance, parce que là, j'en ai pour presque 1800 euros pour refaire la config. Hormis, avec ce que je vous ai dit, hein, c'est sans compter carte graphique, il n'y a pas une carte graphique à racheter, il n'y a pas un boîtier, il n'y a pas d'alimentation. Donc déjà, c'est déjà un budget. si jamais vous voulez me suivre sur Kick, hein, n'hésitez pas. Les liens sont dans la description. Et pour vous, sur YouTube, ça ne va pas changer grand-chose, puisqu'au final, vous aurez toujours les rediffs. Hein. Puisque sachant qu'on ne peut pas reprendre les clips comme les VOD sur Kick comme sur Twitch, je fais un rec. Donc je rec et après j'envoie directement de mon PC sur YouTube. Voilà. Donc là, je vais arrêter là. Et vous allez avoir la suite, vous, sur YouTube. Ça ne va pas vous changer, ça va vous faire juste un épisode de plus.
Et nous, on va passer là, je vais relancer sur Kick, je pense, jusqu'à 17h, 18h, on verra. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et puis voilà. Et puis tout là, je vais vraiment me consacrer sur Kick. On verra bien. La qualité des rediffs est beaucoup plus belle parce que forcément, il y a plus de flux qui est distribué. Voilà. Donc, vous voyez, quand je vois questionnaire fiscal sur Twitch, questionnaire fiscal, il sert à rien parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un petit 80 balles de Twitch, quoi. Vous voyez? Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve sur Kick. Voilà. Bisous, bisous.